Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour votre patience. Merci à tous d'être là aussi. Donc c'est une formule un peu particulière que je vais vous faire ce soir parce que je vais être simplement au piano et à la voix. Vous verrez que le moindre bruit va s'entendre parce qu'en plus j'ai la pédale de sourdine qui est sur le piano. Mais voilà, en tout cas, ça me plaît beaucoup de faire ce concert parce que déjà c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais fait. J'ai l'impression de refaire mes tout premiers concerts. Et puis c'est une manière aussi de partager avec vous la façon dont j'ai créé cette musique, où j'ai pensé ce projet solo, parce que tout a été fait d'abord au piano et ensuite après je passais tout sur ordinateur et là je repensais les titres pour ajouter une batterie. J'ai tout fait en autoproduction dans mon appartement. Et en fait c'est un peu comme si je vous jouais les titres avant de les terminer en fait. Et si ça vous plaît, je vous invite du coup à écouter l'EP. Mon EP qui est sorti le 31 janvier dernier pour que vous puissiez comparer. Voilà, donc le premier titre que je vais vous jouer s'appelle Hero. Merci beaucoup d'être là. Oh, then I rise. Oh, I live. Oh,
Là, je vais vous jouer un titre. Le prochain titre s'appelle Stonehouse. Et c'est un titre que j'ai écrit pour rendre hommage à une région que j'adore, qui est le Nord Finistère en Bretagne. À une maison que j'adore, une maison en pierre. C'est là où j'ai eu la chance de me marier, c'est là où mon fils est né. Et c'est surtout un endroit que je peux appeler chez moi. J'espère que vous avez cette chance, parce que moi j'ai mis des années avant de trouver un endroit quelque part où je pouvais me sentir chez moi. Et c'est quelque chose qui fait vraiment un bien fou. Here I'm feeling my pockets, over there I would fill my soul. The sense of pride, the sense of peace and calm, and back home lay your head on my shoulder and let your heart speak. The sense of pride, the sense of joy and calm, and back home a piece of me was missing. Or maybe it was a seed. Or maybe it was a stone house. A piece of me was missing. Or maybe it was the ocean air. Or maybe it was the sun calling me back que je vais vous jouer s'appelle Traffic Lights. C'est un titre que j'ai écrit à une époque
de ma vie où je sentais que j'arrivais plus à avoir le contrôle sur les choses. Je me sentais complètement dépassé par les événements. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est vraiment un sentiment qui est très désagréable, de sentir que tout va trop vite, qu'on est dépassé, qu'on n'arrive pas et en fait, je me suis imaginé, quand j'écris des textes, en fait, j'adore poser des tableaux comme ça, des images tout de suite très concrètes. Et j'ai adoré cette image de traffic lights, no more traffic lights, où en fait, c'est cette idée de quelqu'un qui serait à Paris, par exemple, ou à New York, à Tokyo, dans une grande ville, et qui, en fait, aurait ce pouvoir de d'éteindre tout. D'éteindre les lumières, d'éteindre le bruit. Et en fait, c'est parce que voilà, c'est cet état que j'avais envie de trouver. Et j'espère que ce titre va peut-être vous emmener là-dedans et va vous permettre de je dirais, de simplement être dans le présent, de profiter du temps présent, de réussir à se dire qu'en fait, on a du temps. Et voilà, donc c'est un titre qui s'appelle Traffic Lights. C'est le premier titre que j'ai terminé pour mon projet solo. C'est après avoir terminé ce titre que j'ai su ce que j'allais faire. Slightly smiling with my eyes. My tears leave puppies as they hit the ground. No more traffic lights. Love and happiness.
voilà, là on arrive au dernier titre de mon EP, du coup, qui s'appelle Aftermath. C'est un titre qui s'appelle Salt of the Earth que je vais vous jouer. C'est un titre que j'ai écrit dans une époque de ma vie qui était très particulière, en fait, très contradictoire. J'avais des émotions comme ça qui se mélangeaient. En fait, j'avais appris que j'allais perdre mon meilleur ami, mon témoin de mariage, qu'il allait me quitter, et j'apprenais à la fois que j'allais être papa. Et donc j'ai vraiment vécu ce truc de plein fouet qui, en fait, dans un sens, explique qu'on soit tous là, parce que, en fait, la vie continue, et je l'ai vécu au sens propre comme au sens figuré, et c'était très intense, et je me suis dit qu'il fallait que j'écrive sur ça. Et donc c'est The Salt of the Earth, et ce que j'ai écrit sur le refrain, c'est le sel de la terre, et ensuite je dis a death for a birth, donc je dis un départ pour une naissance. Donc voilà, c'est ce titre. Okay. She's not in love with him. Oh, it's the same song. The shatter in the head. They cried out all night long. It's the salt of the earth. It's death for birth. You see the world in a grain of sand. A miracle that goes as a touch of your hand. It's the salt of the earth. It's a death for birth. It's the salt of the earth. It's a death for birth. It's the salt of the earth. Same song, the shatter in the head, they cried out all night long. It's the salt of the earth. It's a death for birth. It's the salt of the earth. It's a death for. It's death for
Là, en fait, on arrive à un moment un peu crucial du concert parce que la suite dépend un peu de vous. Parce que voilà, là, je vous ai joué mon EP qui est sorti, comme je vous disais, le 31 janvier. Mais je travaille sur l'album en ce moment. Et là, je peux vous jouer des choses, mais je ne sais pas quelle forme elles prendront terminées. Mais je peux vous jouer les piano-voix si vous voulez. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a quand même il y a rien de pire que en fait en commençant cette formule piano voix, je me suis dit il y a un truc à éviter quand tu feras ça, c'est de faire un piano voix qui s'éternise, parce que ça, c'est vraiment très très compliqué. En fait, on tombe dans un truc, tu vois, où tout le monde parle, on boit des coups, tout ça, bon, et faut vraiment m'arrêter avant qu'on en arrive là. Faut pas hésiter. En tout cas, si vous voulez, je peux vous en jouer quelques-unes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a un titre que j'ai écrit qui s'appelle Seven Years, et voilà, j'ai terminé le piano voix il y a pas très longtemps, et je sais pas encore ce que je garderai du piano, quelle batterie je mettrai, quelle basse, mais je suis arrivé à une version qui me plaît. Think you deserve all my love, you see. Holding you in my arms every morning. Let me be the shelter you seek. Let me be your strength when you're weak. So
fait, je peux vous jouer un titre. C'est l'histoire, elle est assez étonnante. C'est qu'en fait, je suis tombé sur une interview de John Lennon et McCartney, en fait, où ils expliquaient que ils étaient évidemment très fiers que les gens se retrouvent dans leurs chansons et que ça plaise autant. Mais ils disaient quand même que, en fait, trois quarts des chansons qu'ils écrivent, en fait, étaient complètement inventées. C'était des trucs, ils adoraient se mettre dans la peau d'autres personnages, etc. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, mais oui, en fait, tu peux le faire aussi. T'es pas obligé systématiquement de parler de toi et de ce que tu vis. Donc en fait, je me suis imaginé, ça faisait longtemps en plus que je voulais faire, je me suis imaginé, je sais pas comment le dire simplement, mais m'être fait larguer, quoi, voilà. Je me suis dit, mais un truc vraiment pas cool. D'ailleurs, c'était hyper dur d'écrire comme ça, c'est vraiment pas agréable. Donc ça a donné ce titre-là, je sais pas ce que j'en ferai, mais ça a donné ce titre-là qui s'appelle Someone Else, et je m'excuse d'avance pour les personnes qui sont en cours de séparation. Voilà, bon. Mais c'était bien à faire. Je sens qu'il y en a dans le public. Il y a beaucoup trop de retours là. Bon. Ok. I was keeping the truth to myself, thinking you love me when it's someone else. Guess I'm fooling myself. Golden hair and eyes of blue. I was keeping the truth to myself, thinking you want me when it's someone else. Guess I'm fooling myself when I fell in love with you. Oh no, but it's alright. Can you stay a little more till the morning light? We pretend a little more for the last time. Can you stay a little more till the morning light? We pretend. You always blame me for all your mistakes. Guess it's always been the same. All your mistakes when you made someone else. For all your mistakes.
va, tout le monde est là. Est-ce que vous voulez une dernière chanson? Oui. Ou est-ce que je m'arrête là? C'est rare en plus l'artiste qui c'est le public qui choisit le nombre de titres et tout ça. C'est un vrai concept à faire en fait. Je sais pas ce que ça donnerait, mais. Je vais vous jouer un titre que j'ai terminé juste la semaine dernière. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment une façon de travailler où j'essaie de sortir de ma zone de confort. Il y a un an, j'avais jamais travaillé avec un piano. J'en jouais très mal. Et j'avais beaucoup fait un travail autour des guitares. Avec Her, c'était vraiment ça, les guitares, les effets, les pédales. Et c'est vraiment ma façon de travailler. Et en fait, je me rends compte que là, avec le temps, j'ai commencé à prendre des habitudes et à rester, donc à faire des balades. Et là, le prochain titre que je vais vous jouer, c'est vraiment un titre que j'ai pensé plus up-tempo, plus énergique. Là, ça s'attendra pas parce qu'il n'y a pas la batterie, mais je vous jure, la batterie est là, et c'est important. Voilà, moi c'est vraiment ça qui je dirais qui façonne mon écriture, de me mettre en danger, de pas du tout être dans ma zone de confort. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu écrire ces titres, et je vais continuer comme ça. Et donc ça, c'est un titre que j'ai terminé la semaine dernière, simplement, qui s'appelle Point Blank. Donc ce sera mon dernier titre, après je vous quitte. Merci beaucoup, merci à Sourd Oreille de m'avoir accueilli. Et je sais pas quand est-ce que je referai un concert comme ça. Là, je travaille complètement sur autre chose avec du coup un batteur, un bassiste. Donc c'est peut-être la dernière fois ou une des dernières fois, je sais pas. L'avenir nous le dira. Ok. Couple of notes, one in love, one in anger, louder than my voice. Hear the rumors, hear the void, trying to break the wall. Oh, it's a point blank once again. Oh, it's the point. And what
days old. Merci beaucoup.